La région Languedoc-Roussillon vous présente les aléas de la feria. Après les aléas de la feria, profitez d'un emplacement les pieds dans l'eau avec la centrale du Mobilhome et les résidences mobiles Trigano, leader national. Jus de chaussettes, vêtements sportswear et rugbywear vous présentent les aléas de la feria. Bonjour, bonsoir, bienvenue dans ces aléas de la feria. On est le vendredi, on est le premier plateau qui démarre aujourd'hui. On a démarré avec le groupe Compass Fabricio. Merci d'être là avec nous et d'avoir lancé officiellement cette feria 2013. On a échappé à l'orage ce matin, on est juste après. Prenez le micro, Fabricio. Le groupe Compass,
faut le dire, surtout qu'on a Franck Marcoux sur le plateau. Oui. C'est un groupe de gitanimois et les gitanimois, franchement, c'est les vrais, quoi. Voilà. Ça va, Franck? C'est pas moi. Bonjour. Merci de nous avoir ramené des amis à vous. Vous qui êtes là, Los Niños de la Noche, toute la feria avec nous. Je viens de Montpellier et je les ai ramenés chez eux, quoi. C'est ça, c'est ça. Bon, vous avez dû traîner du côté de la placette pour les récupérer. On vous a invité sur TV Sud à Montpellier. On leur fait revenir à Nîmes maintenant. Merci, Fabrizio. Alors, Fabrizio, parlez-nous un petit peu du groupe Compass, puisque moi, les Compass, j'étais pas très bon en géométrie quand j'étais petit. Je me suis arrêté à ça. Le groupe Compass, c'est quoi? Vous qui êtes un des petits-fils de Manitas des Plata. Voilà. Et ben, le groupe, il existe depuis à peu près environ 2006. Et il y a eu plusieurs musiciens qui sont passés par là. Maintenant, j'ai mon fils soliste avec moi, Nicolas. J'ai mes amis Gypsy, la famille, tout ça. Anthony à la percussion. Pissou à la guitare et au chant. Très belle voix d'ailleurs. Et vous pourrez voir ça ce soir, parce que ce soir, on est vendredi à 21h sur la scène de la Placette et on sera 8 musiciens. D'accord, donc la grosse équipe ce soir pour si jouer le soleil sur est avec nous, bien sûr. Ah, le soleil à 21h, ce sera compliqué. Non, mais le beau temps sera là. Mais le beau temps, ça, on l'espère. Le gros orage est passé, a éclaté ce matin. On espère qu'il n'y aura plus d'autres. Okay. On attendra d'ailleurs Christophe et Olivier qui étaient à la corrida ce matin, qui a continué malgré cette énorme averse qui s'est déversée sur Nîmes. Franck, vous, comme d'habitude, la feria non-stop, 24 heures sur 24 à l'Impérator dans les jardins de partout. Voilà, et dimanche, bien sûr, on va les rejoindre bien chez eux sur la placette à 23h avec un concert Los Niños de la Noche. Bon, mais on n'est pas là pour parler trop de nous, on est juste là pour parler des groupes nîmois qui font exister notre culture avec leur magnifique CD qui est en vente à la FNAC à Nîmes. Voilà, voilà. 10 titres dessus. 12 titres, 12 titres voilà. Dessus. C'est votre premier? On a déjà fait des petits singles de deux titres, mais c'est le premier vraiment album. Un groupe Compass, c'est à nous. Quoi. C'est que des compositions, sauf une reprise de Monsieur Charles Navour, que Pissou fait très bien d'ailleurs. Alors c'est qui écrit chez vous? C'est moi. D'accord. La plupart des textes, ça a été moi, il y a eu un peu Anto. Et composition musicale, c'est beaucoup mon fils Nicolas. Quoi. Donc une histoire de famille. Quoi. Voilà, mais c'est chez nous, c'est toujours comme ça. Oui, chez la musique gitane, c'est soit une histoire de famille. C'est bien connu. L'héritage de leur grand-père Manita de Plata, qui va beaucoup mieux, non, je pense? Oui, il va un peu mieux. Bon, tout le monde a su qu'il a été hospitalisé. Maintenant, voilà, il est chez lui à la Grande Motte. Il passe un repos bien mérité. Quoi. Voilà. Écoutez, lui qui a plus de 90 ans. Hein, 91 ans. 91 ans, puisqu'on aura le 15 août. On avait fêté ses 90 ans l'année dernière, il y a deux ans. Tout à fait, oui. D'accord. Et la relève est là, juste là, son petit-fils. Voilà. Écoutez, tant mieux. Merci en tout cas d'avoir ouvert cette feria avec nous. Une feria qui a vraiment démarré hier soir. Hein. On était jeudi soir avec le lancement officiel. Maintenant, depuis quelques années, la ville de Nîmes remet les clés. Ça se passe place de la mairie. Vous voyez, il y avait des... de la pluie et les crocodiles, comme nous l'annonçait Jean-Marc Soulassière sur le plateau des aléas qui avaient démarré, les crocodiles qui étaient à la fenêtre pour remettre donc ces clés de la ville aux habitants nîmois, un petit peu sous la pluie puisque c'est le fil rouge de cette feria 2013 pour l'instant. Normalement, ça devrait s'améliorer, on l'espère, on va croiser en tout cas les doigts. Une feria qui a démarré malheureusement sous la pluie, mais où, bien sûr, tous les organismes sont en place pour que la fête soit belle tout au long de ces 5 jours de festivités dans la cité nîmoise. Nicolas Pechino était d'ailleurs avant-hier soir allé rendre visite à la sécurité routière, qui est bien sûr forcément, dans une fête comme la feria de Nîmes, au cœur de l'action et en pleine activité pendant ces 5 jours. On retrouve Nicolas en pleine, donc, au Costières de Nîmes pour ce sujet sur la sécurité routière. Vous connaissez Sam? Oui, mon pote. Voilà, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. À l'occasion de cette feria, la consigne principale, c'est boire ou conduire, il faut choisir. On sait que les consommations d'alcool sont assez importantes pendant la feria, donc on veut faire un petit rappel. Rappeler qu'il y a l'espace de la mairie pour faire les tests et avant de prendre le volant, si on a un peu consommé et qu'on a des questions sur notre façon de conduire. Et puis rappeler la vitesse, le temps de pluie, tous les messages habituels pour améliorer la sécurité. Les gens sont réceptifs quand vous leur parlez? En situation comme ça, oui, parce que les gens sont sur leur déplacement. Ils ont autre chose à faire, comme beaucoup d'entre nous. Mais les gens sont relativement réceptifs, oui, sur ce type de messages. Après, est-ce qu'ils les mettent en application? C'est une autre question, mais on l'espère. Et du coup, alors, Sam, c'est le soutien vous... Sam, c'est un peu pour rappeler... D'abord, c'est rentrer un peu dans les mœurs. Tous les jeunes ont tendance à l'appliquer. Les férias, c'est des événements exceptionnels où on peut être amené à se dire « Oh, pour une fois, c'est pas grave, je prendrai quand même le volant en ayant bu, je vais pas loin, je roulerai pas vite. » Et c'est justement dans ces moments-là que l'accident arrive. Donc on veut vraiment appuyer là-dessus. Donc ici, c'est le lieu de la prévention. Et dès qu'on va faire un kilomètre et sortir de Nîmes,
on est en pleine répression et qui est de plus en plus sévère, ce qui est une bonne chose. On les fait souffler suivant le dosage d'alcool qu'ils ont dans le sang. On leur conseille, alors c'est un espace santé, hein, ils peuvent s'asseoir, il y a du café, il y a de l'eau, ils peuvent attendre une heure ou deux, le temps que ça descende un petit peu, qu'ils aillent mieux. Et puis surtout, on les dissuade de prendre la voiture ou on essaie de trouver un de leurs amis qui vont les ramener, et ils laissent leur voiture là, qu'ils récupèrent le lendemain. Enfin, notre but, c'est qu'ils prennent pas le véhicule alcoolisé. Est-ce que justement, il y a une efficacité de ces interventions en amont ? Ah ben, l'année 2012 est le meilleur exemple. Il n'y a eu aucun mort pendant la feria, alors que toutes les villes du sud et du sud-ouest où il y a des ferias, malheureusement, il y a à chaque fois des morts dues à l'alcool. On peut dire que justement, la prévention, pour le coup, ben, fonctionne. Alors, je vais le dire autrement, l'alliance prévention-répression fonctionne. Parce que si avec la prévention et pas les axes surveillés, je ne crois pas trop au système. Voilà, vous l'avez compris, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Faites attention, c'est important pour vous et pour tout le monde pour cette feria 2013. Changement de plateau, nouveaux invités. Jean Brun, merci d'être à nos côtés. Ça va, Jean ? Un plateau un petit peu sport, on va démarrer avec ça. On aime bien réunir tous les sportifs nîmois et gardois d'ailleurs de la région. On est très très bien entourés. Louis Fernandez, merci d'être là. Louis attaque, alors pas d'émission hein, ce soir aujourd'hui, apparemment. Non, pas d'émission. Bon. Du lundi aujourd'hui, mais là aujourd'hui c'est... Quand c'est feria, c'est Shabbat, pas d'émission. J'annule tous mes rendez-vous, c'est direction Nîmes, voilà. Alors vous êtes venu pour la feria, vous venez très régulièrement ici pour cette l'une des plus belles fêtes espagnoles, françaises. Mais vous êtes venu aussi cette année parce qu'une belle initiative, une belle manifestation s'organise du côté du ZES grâce à l'homme aux chaussures bleues, le Tchouk, Olivier. Comment ça va, Olivier ? Bonjour, ça va très bien. Non, mais un tout petit peu mieux aujourd'hui que les derniers jours. Là. On était un peu dur. Nerveusement, ça a été un peu gaillard. Mais ça va. Aujourd'hui, ça va. On vient d'arriver. Bon, on ramène un peu le soleil parce qu'on est arrivé sous la pluie, donc ça va. Tout va bien. Vous êtes là parce que vous organisez une rencontre d'anciens joueurs de Barcelone contre d'anciens joueurs internationaux ou pas, mais de haut niveau de la région, hein, qui sont ici dans le coin. Le plus célèbre, Laurent Blanc peut-être, hein, lui qui est un gardois. Et vous organisez ça dans la cité de monsieur Jean-Luc Chapon, maire du ZES. Merci d'être là et de démarrer ce plateau avec nous. C'est vous qui avez la chance de recevoir les parents de Lionel Messi et compagnie. Et on en est très fiers. Et voyez, on commence à arroser le terrain, on le prépare pour demain. Il n'y a pas besoin, à mon avis, prévoyez de sécher la pelouse. Quelques éponges. Louise, il paraît que vous allez jouer demain. Je vais effectivement jouer. Parce que je pense que c'est sympa, c'est toujours quelque chose de pouvoir organiser ce genre de rencontre entre les anciens du Barça. Parce que le Barça, ça reste une institution, le Barça, ça reste quand même un grand club. Et dans ce grand club, eux, ils ont une particularité, c'est qu'il y a une culture où l'on garde assez souvent en mémoire les anciens qui ont participé, contribué. Et d'ailleurs, demain, il y aura quand même des anciens qui ont quand même été dans la Dream Team. Du Barça, ces joueurs qui ont marqué l'histoire du Barça. Il y a ceux d'aujourd'hui, il y a ceux d'avant. Comme on ne peut pas... Aujourd'hui, on a quand même une cinquantaine d'années. Il faut qu'on se retrouve face à des joueurs avec lesquels on pourra batailler. Mais demain, avec des anciens joueurs aussi français, on sera content à Uzès, à 17h, de pouvoir se réunir. Et je pense que c'est un bon moment. Ça fait toujours plaisir de revoir un peu les anciens. Donc samedi après-midi, pour ceux qui ne vont pas à la corrida, vous pouvez aller voir le match, revenir derrière, faire la fête, puisque j'imagine que vous allez tous revenir sur la feria, non, Louis ? Bah oui, bah ça c'est obligé, ça. On essaiera d'avoir des caméras, Patrick, à une heure tardive de la nuit. Il faut dire quand même que le match qu'organise Olivier avec tous ses anciens joueurs, c'est au bénéfice d'une association qui a été montée par Pascal Olmeta, oui, c'est absolument. Ça ? Oui, l'idée, c'était effectivement de trouver un support. Donc l'idée de départ que j'ai eue, c'est effectivement de faire venir ces joueurs du Barça, ces anciens joueurs du Barça que j'ai rencontrés au Camp Nou quand je me suis présenté. J'ai signé un protocole d'accord avec eux et l'idée, c'était de démarrer ce premier match à Nîmes parce que je considérais que Barcelone, Nîmes, la Corrida, un tel événement, c'était formidable. Il y avait une belle conjonction. C'est la raison pour laquelle j'ai organisé ce match à Nîmes et j'ai donc contacté, j'avais la possibilité de contacter plusieurs associations. Moi-même, étant membre d'une association, mais rugby, football, j'en ai d'autres. Mais Pascal Olmeta s'est manifesté et nous avons décidé effectivement de donner, on espère en tout cas, les bénéfices de ce match à l'association Un Sourire, Un Espoir pour la Vie. Alors évidemment, il n'y a rien de plus beau que c'est pour les enfants. Hein. Donc aujourd'hui, moi, ça me tient particulièrement et j'espère qu'effectivement... Alors, pour donnez-nous des noms, justement. Faites-nous rêver écoutez, Xavier Gravelaine, etc. Qui sera là demain? Déjà, j'ai mon ami à côté de moi. Hein. C'est Louis Fernandez. Je pense que compte tenu de sa carrière, de ce qu'il est en tant qu'homme et autres, il est là. Et Louis, il joue quoi quand il joue un vétéran?
Il joue milieu défensif. Ah, on a fait un match l'année dernière déjà. Je joue plutôt attaquant. Plus qu'attaquant, ouais. C'est moins risqué. Je n'ai plus envie de défendre, je n'ai plus envie de courir. J'ai envie de marquer des buts. Ouais, on le... Lui, Barcelone, il connaît bien parce qu'il a entraîné l'Espagnol. Exactement, je connais beaucoup le football espagnol. Je suis très attiré, j'aime beaucoup la culture espagnole au niveau du football. Et l'espagnol. Quand vous parliez justement de la culture du Barça, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Le Barça, c'est une institution, c'est un club, un grand club. On a pu le voir au cours de ces dernières années. On peut voir le football que le Barça pratique. On peut voir une culture, la culture du jeu. C'est ce que ça représente pour le football. Le Barça, c'est une institution, c'est une culture au niveau du football. C'est un club qui est centenaire, avec une histoire exceptionnelle et impressionnante. Voilà. Alors, vous êtes arrivés aujourd'hui, hein, tous, vous n'étiez pas là hier soir pour l'une des premières soirées de la Feria, c'était le jeudi. On était déjà, nous, en pleine activité, et les équipes de TV Sud, Nicolas Pelchino, Pierre-Paul Castelli aussi, qui a été très présent. Surtout Pierre-Paul Castelli. D'ailleurs, on a un message, hein, si vous avez des nouvelles de Pierre-Paul Castelli, alerte enlèvement, si on peut faire un flash spécial. On espère surtout qu'il va se remettre. Un flash spécial, les dernières infos qu'on a de lui, c'était à 4h du matin. Depuis, on ne sait pas où il est passé. Depuis, on l'a perdu. Voilà, depuis, on l'a perdu. Peut-être on le retrouvera, hein, durant la Feria et les plateaux à venir. Mais on était présents déjà hier soir, Jean, pour une exposition. On recevait des Reines d'Arles sur ce plateau hier, lors des aléas du direct. On était présents pour cette très belle exposition. Les images vont démarrer sur les Reines d'Arles, justement. Des costumes traditionnels ont été ramenés et présentés tout au long de cette Feria. À la chapelle des Jésuites, je crois, exactement, sur le costume des Reines d'Arles. Alors, l'exposition dure 4 mois, hein, vous n'êtes pas obligé d'y aller pendant la Feria de Nîmes, mais allez-y, vraiment, les costumes sont vraiment superbes et c'est une très, très belle exposition à voir sur Nîmes. Voilà, Louis, si des anciens joueurs de Barcelone veulent savoir ce qu'est la culture provençale, la culture camarguaise, au travers de tous ces costumes magnifiques des Reines d'Arles qui ont été portés depuis plus de 50 ans. C'est ici à Nîmes que l'exposition se tiendra, donc pendant 4 mois. On n'a pas parlé, on a dit Xavier Gravelaine. Donnez-nous d'autres noms, oui, Laurent Blanc, bien sûr. Alors, juste un bémol, effectivement, compte tenu de ce qui se passe, il faut savoir une chose. C'est que l'idée de départ a été très très bien perçue par l'ensemble du monde professionnel. C'est toujours, tous ces professionnels sont toujours très, même pas intéressés, mais sont séduits par le fait... de pouvoir donner des fonds à une association, en l'occurrence cette association. Le problème, c'est que c'est tombé l'avant-dernière journée de championnat. Tous les joueurs se sont joués à la même heure en France. C'était assez compliqué. Donc c'est la raison pour laquelle on avait quelques noms, on en avait davantage. En l'occurrence, il y a eu également les événements. Moi, étant un ancien joueur du PSG, j'avais quelques autres renoms du PSG, de la génération de Louis. Malheureusement, ils sont tous invités par les Qataris demain, avec les événements qu'il y a eu en début de semaine, et vous avez dû l'apprendre. Ils ont voulu faire une grande fête au Parc des Princes et inviter tous ces anciens. Et je remercie encore Louis et Xavier Gravelaine, qui sont les seuls, on va dire que ce sont des amis quelque part, mais qui ont répondu, mais qui auraient pu très bien ne pas être là, comme certains. Donc on a effectivement après des joueurs locaux et d'autres. Fred Arpinon, qui m'a beaucoup aidé sur le projet, Jocelyn Blanchard, Sébastien Pérez de Marseille, Christophe Coquart, Monsieur Ferraroui, Mansouri, je fais venir Christian Val et Dutruel également. Ce sont des joueurs qui ont évolué au Barça. Donc c'est ce qui a également séduit, et j'attends la réponse de Laurent Blanc. Avec Louis, on a fait le forcing pour qu'il soit là. On savait que c'était un local et on aimerait avoir une réponse. Mais écoutez, s'ils ne sont pas là, ils ont aussi des obligations, surtout dans ces temps de championnat. Ce n'est pas toujours facile. Mais en tout cas, ce qui a séduit, je voulais vraiment le dire, ce qui a séduit les dirigeants du Barça quand je suis allé les voir au début janvier pour cette initiative, c'est effectivement ce côté nîmois. Certains, je ne vais pas régler des comptes, mais je n'ai pas pu faire ce match à Nîmes et je remercie Monsieur le maire d'Uzès de m'avoir accueilli pour cette rencontre. On considérait que, quelque part, la Feria avec un match de foot, mais justement, ces Espagnols m'ont dit « mais c'est extraordinaire votre idée ». Les taureaux, la tauromachie, Nîmes, le soleil, l'Espagne. Écoutez, pour moi, ça va avec. D'ailleurs, demain, tout est dit. Mais il n'y a aucun problème. Je n'aurai vraiment pas de compte. Ça a été compliqué. Aujourd'hui, on a la solution. Je suis ravi. Et je veux juste, pour le programme, on a quand même Jean-Luc Reichmann, qui est un ami que vous connaissez sans doute, pour certains, qui vient demain et qui fera une vote aux enchères. Alors, on va essayer de l'organiser familialement, en espérant qu'il y ait des gens qui puissent acheter le maillot de Lionel Messi. Également, un maillot signé par tous les joueurs. On fera demain entre 20h30 et ici sur le plateau ou sur la Caseta, on essaiera de vendre ce maillot pour avoir effectivement des dons
c'est don pour les enfants. Voilà ce que j'ai à dire. Monsieur Chapon, on le sait, Uzès est quand même une terre de football gardoise, hein, entre Nîmes et Alès, bien sûr. C'est important de recevoir une manifestation comme celle-là. Oui, on est très heureux de la recevoir, d'autant que, c'est vrai, nous sommes une ville de foot, puisque nous sommes le troisième club du Languedoc-Roussillon après Montpellier, après Nîmes. Et on va essayer ce soir, d'ailleurs, nous avons une rencontre à 17h avec Rouen. On va essayer de jouer le maintien. Justement, hein, le week-end est chargé pour vous. Vous avez deux matchs hyper importants. Alors, on n'a pas eu de chance, on monte en national au moment où ils vont faire descendre 6 clubs du national. Donc on a joué une belle semaine dernière contre le Restart. On espère contre Rouen qu'on va gagner. À ce moment-là, on a toutes les chances de se maintenir en national. Donc on sera très heureux le lendemain de recevoir cette rencontre et d'être à l'honneur. Et je crois que les Uzéciens seront nombreux. En tant que voisin, à 20 km de Nîmes, la Feria, vous y venez souvent, régulièrement? On vient régulièrement, bien entendu, à Feria, mais vous savez que pour venir voir le club de foot d'Uzès, on a aussi beaucoup de Nîmois qui viennent nous voir jouer. Alors en tout cas, Uzès, pour ceux qui ne connaissent pas, puisqu'on est mis aujourd'hui jusqu'au fin fond de l'Hérault, c'est quand même l'une des plus belles villes gardoises. C'est la première ville à secteur sauvegardé du Languedoc-Roussillon qui a été créée. Voilà, et donc nous entretenons nos immeubles et ça fait plaisir à tout le monde. Alors, en tout cas, merci d'être venu aujourd'hui ici dans les jardins de l'Impérator, des jardins où vous allez sans doute revenir, Louise, avec vos amis demain après le match. Un endroit magique ici où tous les soirs, on a quelques images de la troupe Hasta Luego et du magnifique spectacle qui est proposé, si le temps le permet. Mais de toute façon, ils ont tendu une bâche gigantesque dans ces jardins de l'Impérator pour permettre, malgré la pluie, de venir et de passer les soirées ici, même s'il pleut et même s'il fait froid. C'est pas un souci, tout est quasiment bâché à l'Impérator. Et cette troupe et ce spectacle extraordinaire Hasta Luego qui vient et qui représente tous les soirs ce spectacle équestre ici dans les jardins de l'Impérator. Juste pour finir, si je puis me permettre, excusez-moi, monsieur le maire, juste pour me permettre. Après cette vente aux enchères, où nous ferons un apéritif dînatoire, où on espère encore vendre ce maillot de Messi et un autre maillot signé par tous les joueurs, nous finissons, on a appelé ça la bodega du Barça, au pavillon de la Fontaine. Et donc là, nous faisons éventuellement, pour partager un moment avec les joueurs et pour financer ça, un repas pour deux personnes à 150 €, si d'aventure des gens veulent se manifester. Voilà. C'est samedi soir. Samedi soir, après les événements, aux alentours de 22h, au pavillon de la Fontaine, chez monsieur Daniel Bourguet. Voilà. D'accord. Merci à vous et à TV Sud. Pas de soucis, merci, bougez pas, restez là. Et quant à moi, je voudrais remercier les dirigeants du club du Zespan du Gard qui sont heureux aussi de recevoir et qui ont organisé la rencontre. Monsieur Verzo, et en particulier le nouveau président, monsieur Verzo, qui est à nos côtés aujourd'hui. D'accord, bah écoutez, le message est passé. Je ne désespérais pas de lui vendre le maillot de Messi. Alors, vous avez parlé de restaurant, le pavillon de la Fontaine chez Daniel Bourguès, mais il y a aussi l'Impérator où on peut manger tous les jours. Et justement, tenez, une petite recette ici, en direct du restaurant de l'Impérator, une entrée à base de langoustine. Et merci à Frédéric Sanchez aussi pour son aide. Bonjour, je suis le chef de l'hôtel Impérator de Nîmes. Je vais vous proposer trois recettes. Donc, la première sera des langoustines marinées à la bourrache, avec des légumes sud de France et l'huile notamment de marinade sud de France pour les légumes en ruban. Donc pour cela, vous avez besoin de langoustines fraîches. Je casse la queue comme ceci. Je casse la carcasse sans trop écraser les carcasses pour ne pas broyer la chair. J'enlève l'intestin qui se trouve ici. Voilà. Je vais les séparer en deux. À partir de là, je mets du poivre, donc poivre ordinaire. De l'huile d'autrefois qui est produit sud de France, qui vient de Beaucaire, de monsieur Brunel. Ensuite, j'ajoute les zestes de citron, donc citron vert, parce que c'est un peu plus amer que le citron jaune, déjà. Ça se marie bien avec. Je mets juste les pétales de bourrache. J'ai réussi à obtenir ça sur Maine, un produit aussi sud de France. J'ai oublié le sel de Garande, donc je le rajoute maintenant. Je vais juste rajouter après le reste de la garniture, donc les tomates pelées, donc mondées et épépinées. Donc elles sont sans la peau et sans les pépins, coupées en cubes. Donc on fait un mélange parfait pour que tout l'arôme, surtout de la langoustine, se répande un peu partout, ainsi que l'huile. Là, je rajoute un tout petit peu d'huile. Bon, c'est mieux de faire ça dans un plat profond, mais bon, j'ai l'habitude de le faire sur assiette. Les fèves aussi qui viennent de Saint-Gilles, produit sud de France encore. Cette première opération est faite, je les mets dans le frigo. Alors pour la garniture qui va avec les langoustines, donc là, j'utilise des asperges de monsieur Contini. Voilà, donc ils sont des asperges de la région, de Saint-Gilles. Donc je coupe à ce niveau-là. Je vais les passer ensuite à la mandoline, assez fin si possible, donc ceci pour une personne environ. De même, les courgettes préalablement lavées bien sûr, donc le plus fin possible.
Ensuite, pour les artichauts, personnellement, je préfère les faire au couteau. Ils sont juste blanchis. Je les escalope aussi finement, c'est un peu plus facile. Donc, on a nos trois garnitures qui vont aller sur la langoustine. J'assaisonne ces trois garnitures de poivre, un petit peu de sel de Guérande. Je rajoute de l'huile de Beaucaire, toujours. Donc là, on met les courgettes roulées sur l'assiette, ainsi que les artichauts qui sont juste blanchis. Je précise que les légumes sont crus. Des asperges vertes de M. Contigny, toujours. Voilà, le montage est fait. On va juste rajouter quelques fleurs tout autour pour que ça donne la valeur à l'assiette. Voilà, l'assiette est terminée. Je pense qu'elle est assez présentable. Tout en sachant que les produits sont tous de la région, qui sont sud de France, et que c'est surtout très très frais. Voilà, et bon appétit. Voilà pour vous mettre en appétit avant déjeuner, avant dîner, suivant les horaires de diffusion de cette émission. Jean, une très belle émission. C'est important pendant la feria, hein. C'est ça qui permet de tenir. Oui, pas se nourrir que de liquide, c'est le plus important. Alerte enlèvement, n'oubliez pas, Pierre-Paul Castelli, si vous avez des nouvelles, téléphonez-nous, téléphonez à l'Impérator, nous sommes toujours à sa recherche. Merci en tout cas d'avoir été là. Merci. On se retrouve juste après ça, on va rester dans le sport. Jean, vous n'avez qu'à rester avec nous, avec le HBCN et des garçons du Rugby Club Nîmois qui montent cette saison. Je vais manquer de carrure, c'est ça qui est dommage. Allez, à tout de suite après ça. Merci.